أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أبو القاسم محمد وآل معصومين chers frères, chères sœurs, chers amis, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous voudrons discuter sur l'importance de la patience en islam. La patience est l'une des qualités qu'un croyant et un amoureux des Ahlul Bayt devraient avoir. La patience, c'est une chose que sans cette qualité, on ne peut comprendre et vivre comme un véritable chiite. Malgré tous les défis et les problèmes que nous pouvons avoir dans la société, c'est grâce à cette patience qui nous aide à pouvoir surmonter tout ceci. D'ailleurs, le prophète Jésus, Isa alayhi salam, a dit dans un hadith, « Certes, vous n'obtiendrez jamais ce que vous aimez jusqu'à ce que vous endurerez ce que vous détestez. » Évidemment, si nous pouvons supporter et pouvoir avoir assez d'endurance à des choses qui sont très difficiles, l'être humain va pouvoir, grâce à ce moteur qui est la patience, surmonter ce problème. D'ailleurs, on peut dire que la patience, c'est une lumière, une énergie qui fait briller la foi et qui fait briller le comportement du mu'min. As-sabr ra'sul iman. La patience, c'est un des hadiths, la patience est le summum de la foi. Comme j'ai expliquer, c'est grâce à cette patience que nous pouvons faire briller ou faire à polir ce cœur qui est le moteur de nos actions et de nos paroles. Donc, nous avons plusieurs versets coraniques qui insistent également sur le fait qu'il est important d'être patient. Allah, par exemple, subhanahu wa ta'ala, a dit qu'il est avec les patients. Il aime les patients. À plusieurs reprises dans le Coran, il est insisté comment la patience est importante. Souvent, la patience vient avec la vérité. Souvent, la patience, elle est expliquée avec l'établissement de la prière ou de la zakat. Donc, en fait, cette patience vient toujours en parallèle ou côte à côte avec toutes les autres obligations que nous devons avoir. D'ailleurs, tous les prophètes qui ont été envoyés, depuis le prophète Adam jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est clair qu'ils étaient dans une patience par excellence. Grâce à cette patience, ils étaient d'une patience énorme, qui pouvaient surmonter tous les ennemis et les hypocrites et la vie qu'ils avaient pour un but qui est encore plus grand, qui est le but de la transmission du message divin. Par exemple, nous voyons comment notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souffert le martyr par certains de ses compagnons, par les gens qui l'entouraient, par les non-musulmans qui, certaines fois, le maltraitaient, mais il montrait le meilleur de son comportement. Il répondait par une gentillesse, il répondait par la patience. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il passa tous les jours un même chemin, une personne lui jeta des ordures. Mais il ne disait rien.
Le lendemain, la même chose, le lendemain, la même chose. Et c'était une manière répétitive de recevoir des ordures. À la fin, le noble prophète, lorsqu'il a vu que ce jour-là, il n'a pas reçu d'ordures, il est allé voir ce qu'il se passe. Donc, il est allé rencontrer cette fameuse personne et il a compris que la personne était malade. Il a demandé à ses compagnons de nourrir cette personne et de s'occuper d'elle. Cette personne, en voyant l'immense gentillesse du noble prophète et cette patience qu'il avait à recevoir autant de méchanceté, à la fin, elle s'est convertie. Donc on voit très bien que cette patience donne un fruit de la maturité, un fruit de la sagesse, et de cette foi qui devient de plus en plus intense, qui étincelle comme une étincelante, comme une lumière qui fait tellement briller, tellement fort, qu'en fait, il est très difficile de la ternir. C'est ça, le moteur de la patience. Évidemment, il est facile de le dire, mais c'est un travail qu'on doit faire avec soi-même, un travail de purification que nous devons avoir avec nous-mêmes, de pouvoir, à chaque instant de notre vie, penser comment les nobles prophètes et les saints imams de l'islam ont supporté tous les problèmes et les défis que la société et que l'humanité leur imposaient. C'est également l'une des choses que je peux vous dire, que même Soleiman, Salomon alayhi salam, qui fut un prophète avec autant de pouvoir grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, a pu construire des palaces en quelques secondes ou en quelques jours. Il avait le pouvoir de pouvoir demander grâce à Allah de faire souffler le vent ou de parler avec les animaux. Mais malgré ceci, il devait avoir beaucoup de patience pour avoir ce pouvoir qui lui est accordé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, nous voyons dans un verset coranique, le chapitre La fourmi, verset 40, « Serait-ce reconnaissant ou ingrat, celui qui est reconnaissant l'est à son avantage ?» Pourquoi ce verset a été versé, a été descendu ? C'est parce que il fallait qu'on explique que c'est grâce à cette patience, c'est grâce à ce moteur essentiel à la vie humaine que le prophète Soleiman a montré qu'il n'était pas ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'homme par nature est un être hâtif, un être qui aime avoir tout rapide. C'est normal, c'est une chose humaine. Mais il faut savoir s'éduquer, il faut savoir se réformer, car une personne hâtive n'est pas une personne de bonne qualité, comme une personne paresseuse. Si l'être humain se laisse aller, il peut développer ses côtés négatifs de l'âme. Donc, être hâtif ou demander beaucoup de choses d'une manière accélérée, c'est une mauvaise qualité, c'est un défaut. D'ailleurs, le Coran sait très bien, Allah subhanahu wa ta'ala, sait très bien que l'être humain est de nature impatient. Et Allah n'aime pas les impatients. D'ailleurs, nous avons dans un autre verset, chapitre 21, verset 37, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit, « خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلْ » L'être humain a été créé d'impatience. Sa'urikum ayati fala tastajilu. Je vais vous montrer des signes, ne me demandez pas de me hâter. C'est-à-dire, comme de par nature l'être humain est un être qui aime avoir tout rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre grâce au système qu'il a créé sur terre,
C'est un système qui est basé sur la patience. Par exemple, lorsque un enfant est petit, il pense déjà à son avenir. Et il a de nature à être dans l'impatience lorsqu'il pense que, par exemple, on va lui offrir un cadeau, ou il va avoir une bonne nouvelle. Et il le sait d'avance que la bonne nouvelle va arriver. Mais il est impatient. Et c'est le moment là où l'enfant, on peut comprendre de cette nature humaine, qu'il perd patience et qu'il peut développer d'autres défauts ou de mauvaises qualités en montrant qu'il n'est pas content. Soit il va bouder, soit il va pleurer. Donc c'est pour montrer que la patience doit être apprise dès la naissance. Et c'est une chose qu'on doit contrecarrer absolument. D'ailleurs, les signes de cette patience, c'est la foi. C'est la compréhension pourquoi on vit sur Terre. Par exemple, nous savons que nous avons un Seigneur. Nous avons un but à la vie. Nous sommes au point A et nous voulons arriver au point B. Mais entre le point A et B, il peut arriver plein de défis et de problèmes. Mais étant donné que notre but, c'est le point B, il est impensable de perdre patience entre chemin ou de perdre espoir, parce que ça va engendrer un manque d'espoir, tout en oubliant que nous devons arriver au point B. Donc en fait, c'est un manque de foi ou un manque de connaissance. C'est pour ça que la foi est liée à la science et à la connaissance. C'est pour ça qu'une personne non patiente, c'est une personne qui a une faiblesse dans la foi et dans la connaissance. Également, regardez comment les prophètes, par exemple comme Joseph, Youssouf As-Siddiq, le véridique, alayhi salam, est passé autant de difficultés dans sa vie à cause de ses frères, tombé dans le puits, il a été emprisonné injustement, mais grâce à cette patience, et à chaque fois il se remettait à Allah, et il savait clairement quel était son message ou sa mission sur terre, il s'en remettait à Allah. Grâce à toutes ces péripéties et à tous ces problèmes, il a pu guider des gens qui l'ont entouré, à un tel point qu'il est devenu ministre d'Égypte, Aziz ibn Misr. Et grâce à ce poste qu'Allah lui a donné, il a montré que le fruit de cette patience était en fait le izza, la dignité, l'honneur que de lui donner ainsi une si haute position dans la société matérielle et également spirituelle. Job, le prophète Ayoub alayhi salam, également un prophète très riche, il a tout perdu. D'ailleurs, c'est de là qu'il est connu de dire Sabr al-Ayoub, la patience de Job, qui était un prophète digne de nom, tel que l'être humain doit apprendre à être aussi patient malgré tous les problèmes qu'il a encore eus dans sa vie. Mais celui qui a été le plus torturé et martyrisé, c'est le dernier des messagers, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed a été torturé, martyrisé, trahi par des gens qui voulaient simplement manipuler la religion, encore une fois. Mais il a montré quelle était l'importance de la patience et de l'endurance et de supporter tout le mauvais pour pouvoir être et ce soutien pour la communauté humaine qui veulent apprendre de lui qu'en entendant de bonnes paroles, qu'en voyant une personnalité aussi douce et aussi souriante. Et on pouvait se rendre compte que c'est grâce à cette patience et à cette endurance que le noble prophète avait,
qu'il a pu continuer à travailler par la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée et à enseigner à l'humanité la parole divine. Donc, nous voyons que ce qui est important pour développer des qualités d'être un vrai shi'a, un vrai chiite, un amoureux du noble prophète et des saints imams, c'est de développer les qualités qui sont en fait une signification d'une lumière, une réflexion des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, on pouvait dire qu'Allah, l'une de ses attributs, c'est le patient. Il a c'est de là que nous devons apprendre sa qualité. Par exemple, nous avons un verset coranique qui est dit « Wasta'inu bil-sabr was-salat » c'est « Demandez l'aide de la patience et de la prière ». C'est encore un exemple comment la patience, et même dans ce cas-là, dans le verset, il vient avant la prière. C'est que sans cette patience, on ne peut même pas développer un sens de communication avec son Créateur, de la prière, telle que la prière. C'est qu'en fait, c'est cette patience qui reflète cette écoute, cette façon de méditer et d'accepter qu'en fait il y a des priorités dans la vie. Comment peut-on être impatient pour des choses, peut-être on peut le dire de cette manière, pas très importantes, telles que la vie matérielle, perte de quelqu'un de la famille, c'est sûr que c'est très douloureux. C'est sûr que si quelqu'un est touché par un cancer, par une maladie, il a des difficultés dans sa vie à pouvoir garder son sang-froid, garder sa patience. Mais c'est rien du tout par rapport au but de la création, par rapport au but ou à la mission que chaque être humain devrait avoir. Parce que si on perd la patience, si on ne peut pas supporter ces problèmes naturels de la vie, on est né dans les problèmes, on est né dans les défis. Il est impossible qu'un être humain naisse sans aucune épreuve. C'est la promesse et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Nous vous avons créé pour vous éprouver. Comment peut-on juger un être humain s'il n'est pas éprouvé? S'il ne reçoit pas des plus grandes difficultés dans la vie? La perte de quelqu'un dans la famille, quelqu'un qu'on aime le plus, quelle difficulté quelqu'un peut encore se concentrer et encore tenir pour vivre dans ce monde. Pratiquement impossible. Beaucoup perdent complètement le sens de la raison lorsqu'ils perdent un être cher. Ou perdre quelque chose qui est cher à part la perte d'un être humain, ça peut être la santé, l'argent, la position. On peut monter d'une manière grande dans une position sociale, mais d'un coup, on se retrouve plus bas que terre. Et c'est ces moments-là qu'il faut montrer qu'on est un homme ou une femme mûre, plein de foi, et qu'on simplement croit à Allah subhanahu wa ta'ala, au jugement dernier, au monde qui est après notre monde dunyawiya. C'est le barzakh. C'est Yom al-Qiyama, c'est Inch'Allah le paradis pour les mu'mines, pour les croyants et les croyantes. C'est ces moments-là qu'il faut se rappeler. C'est les moments les plus peut-être douloureux pour certains, mais les plus doux pour d'autres, qui est la mort, qui est en fait un début d'une fin. D'un monde terrestre. Donc en fait, comme on a dit, c'est une épreuve la vie. Et c'est ça, grâce à cette compréhension qu'on se rappelle souvent, qu'on peut développer cette qualité qui est la patience. Par exemple, nous avons
dans le Noble Coran, le chapitre 2, verset 155. Nous vous éprouvons par un peu de crainte, de faim, par des pertes légères de biens, l'honneur ou de récolte. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, à ceux qui disent lorsqu'un malheur les atteint, nous sommes à Allah et nous retournons à lui. Voilà ceux sur lesquels descendent les bénédictions et une miséricorde de leur Seigneur. Ils sont bien dirigés. C'est la promesse d'Allah que tout être humain doit être éprouvé d'une manière ou d'une autre. Certaines fois, certaines épreuves peuvent être, par exemple, d'ordre financier, ou peut-être ça peut être une perte de quelque chose d'autre. Tout cela dépend de notre capacité et de la limite de ce qu'on peut être, on peut supporter. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais quelque chose qui excède notre capacité de comprendre ou même de certaines limites de douleur. Par exemple, pour certains, perdre une grosse somme d'argent, c'est une douleur qui est grandiose. Mais pour certains, c'est moins grandiose, c'est moins douloureux. Alors, il y a simplement des limites pour chacun. Donc, la patience, pour résumer très rapidement, c'est une clé qui nous aide à ouvrir plusieurs portes. C'est grâce à cette clé qu'on peut comprendre et méditer plus lorsqu'on pense au but de notre vie. Lorsqu'on veut communiquer avec notre Créateur, lorsqu'on voit mille et un défi que nous avons dès le matin jusqu'au soir et le lendemain, jour après jour, heure après heure, de tous ces problèmes quotidiens que nous pouvons avoir. C'est ça l'épreuve que chaque croyant. Et plus nous devenons croyants, et plus nous devenons ou nous ressentons ce niveau spirituel d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus les défis seront grands. Le diable, Shaitan, ne nous laissera pas tomber. Malheureusement, il est là toujours pour les gens qui sont encore plus pratiquants, encore plus multazim, qui sont renforcés dans leur foi et font de mieux pour se réformer. Comment, la simple question maintenant, comment je peux, en tant qu'être humain simple de la société qui croit en Allah et en son prophète, veut développer cette patience? C'est par le jeûne. Jeûner, c'est l'une des choses, l'une des clés qui nous aide à développer cette patience. La prière, être assidu dans la prière, faire des prières un peu plus longues, tout en méditant et en réfléchissant mot après mot, verset après verset de ce qu'on récite. Apprendre le Coran par cœur. Visiter les morts dans les cimetières, visiter les malades dans les hôpitaux, visiter ceux qui ont besoin, les orphelins ou les pauvres. Travailler, le fait de travailler, c'est une sorte également d'aide à la patience. Il y a des gens qui travaillent dans des conditions pénibles, mais ils sont heureux. Parce qu'ils voient en eux une lumière. Ils voient en eux un but qui est non seulement matériel, mais spirituel. Également le dhikr, le rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains dhikr qu'on peut répéter, qu'on peut murmurer constamment dans notre cœur et qui nous aident en fait à développer ce sens de patience.
Le doa, l'invocation, demander à Allah de nous donner plus de patience. Voilà toute la liste que nous pouvons avoir. Évidemment, l'une des choses également la plus importante, c'est l'espoir. Et cet espoir d'avoir quelque chose, une période meilleure que ce que nous avons. Chaque personne, chaque individu est en fait responsable de sa propre vie. Et évidemment, il y a des comptes à rendre le jour du jugement dernier. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui, le jour où nous allons être face à notre Créateur, le jour où on doit défendre et expliquer et se justifier envers Allah pour tout ce que nous avons fait, espérons que personne d'entre nous aura honte de nos actions. Parce que c'est le jour où nos actions seront visibles. Allah cache et couvre les défauts de chaque individu. Mais le jour du jugement dernier, tous ces défauts seront découverts et tout le monde pourra voir ce que chacun a fait. C'est pour ça qu'il faut demander, avoir beaucoup de patience, de pouvoir supporter beaucoup de problèmes de la vie. Et que grâce à cette patience, je vais continuer à suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de terminer, je voudrais vous lire un passage d'Al-Kafi qui parle de l'un des compagnons de l'imam Ja'far al-Sadr alayhi salam. Et ce qui est incroyable, lorsque on lit ce passage, on peut comprendre comment les partisans et les shira qui suivent les Ahlul Bayt, qui sont la tradition et l'imitation par excellence, sans aucun défaut, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que l'imam Ja'far al-Sadr a dit dans Al-Kafi, c'est que certes, il parle des saints imams, nous sommes tous très patients. Et nos shiras sont encore plus patients. Alors un des compagnons est venu vers lui, il lui a dit, mais comment ça se fait que les imams infaillibles sont considérés comme des très patients, mais les shiras sont encore plus patients? C'est que l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam a répondu et a dit, parce que nous sommes patients pour des choses que nous savons déjà. Mais nos shi'as sont patients pour des choses qu'ils ne savent pas. C'est pour ça qu'ils sont encore plus patients que nous. Et c'est de là, nous remercions à Allah de nous avoir montré le chemin de la droiture, le chemin du bonheur et du vrai message divin. C'est le chemin des Ahlul Bayt. Et j'espère que nous prierons tous à Allah de nous donner encore plus de patience, plus de courage, surtout pour les opprimés, et surtout pour les opprimés chiites, que malheureusement, les chiites sont très opprimés, comme fut notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes qui lui ont précédé. Sur ce, j'espère que cette émission vous a été bénéfique et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.